Dans cette troisième technique de transition avec effet, je vais vous montrer comment rajouter le hi-hat d'un morceau sur un morceau déjà en cours de lecture, donc ce sera en contretemps, et l'effet reverb va me permettre de l'amener progressivement. Alors je vous montre ça en musique. Et on peut aussi rajouter un effet de reverb pour que ce soit plus lisse.